Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? On est lundi 13 février, il est 14h. Alors, je vais vous tourner la vidéo des produits Shiny. J'ai trois sacs, donc il est temps que je vous le présente. Donc, je vais prendre au hasard, hein, c'est pas par catégorie, un peu de tout. Il y a un peu de tout. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors je prends au hasard. Alors tout d'abord, un jus de fruits multifruits de la marque Pressade Bio. Alors c'est une très bonne marque. Il est super bon ce jus d'orange là, enfin multifruits. Il y a un jus d'orange et un jus de pomme. Il y a plusieurs parfums. Donc ça je rachèterai parce que j'aime bien. Mon jus de raisin préféré bio de chez Lidl, de la marque Solevita. Alors ça, rien à dire, je l'adore. Des paquets de biscuits Lu, les barquettes à la fraise. Bon, rien à dire, hein. Ils sont très bons aussi. Hein. Alors, hein. La farine Eco Plus, bon, elle est très bien aussi. Je rachète tout le temps celle-ci, elle est très très bien. Rien à dire, je rachète. Le sucre en poudre eh ben, de chez Lidl, que tout le monde connaît aussi. Après, c'est du sucre. Il est très bien aussi. Je rachète. Les palmitos de chez Lu. Alors, ça, c'est également un paquet de biscuits très, très bon. Et que je rachète souvent aussi. Une bouteille d'huile d'olive de chez Lidl. Alors, je prends souvent celle-ci aussi. Hein. Elle n'est pas très chère. Et elle est très, très bien. Donc, je rachète. Bon, ça, tout le monde connaît. Des lions, la petite gourmandise. Voilà, des lions, c'est des lions. C'est très bon. J'en achète de temps en temps. Un paquet de Emmental français en morceaux. Bon, je ne sais plus de où il vient, celui-là. Peut-être chez Aldi, je ne sais plus. Mais il était très bon. Ça va. Donc, oui, je rachèterai, pourquoi pas. Alors, ça... Les amis, c'est trop bon. Des bouchées à la tome de montagne. C'est des petits snacks apéritifs. Oh, moi, je fais ça à l'air fryer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était bon. Ça, je rachèterai sans hésitation. Hein. Alors, je ne sais plus de où ça vient. On ne sait plus. Aldi, je pense. Ou Leclerc, je ne sais plus. Mais si je le retrouve, j'en achète. Oh, trop trop bon. Bon, bah, la mozzarella là, de chez Galbani, bah, rien à dire, c'est très bon sur les pizzas, les pâtes, trop trop bien. Je rachète le déodorant de chez Lidl, la marque Sienne, classique. Ceux-là, je les prends souvent aussi, ils sont très bien les déodorants. Franchement, rien à dire, moi je les prends tout le temps. Qu'est-ce que je vous disais? Encore des snacks à faire à l'air fryer. Enfin, moi, je l'ai fait à l'air fryer. Là, c'était des sticks à la mozzarella avec la petite sauce piquante, là. Pah, 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 pah. Comment c'était trop bon, ça. Oh, oh, c'était trop bon. Ça aussi, je rachèterai aussi. Oh, trop, trop bon. Ensuite, bah, vous savez, hein, les bougies Airwick fraîcheur lâche frais. Que j'adore et que j'achète tout le temps. Du tartare en mini portion. Alors ça, c'est très bon aussi sur du pain frais. Oh, oh là là, ça a tombé par terre. Et oui, je rachète. De toute façon, je vous le dis, hein, quand je rachèterai pas. Émincé de poulet chez Lidl de la marque Satalbi. Alors, c'est bon en dépannage, mais sans plus. Je n'ai pas trop aimé ce truc-là. Je trouve qu'il y a, ça n'a aucun goût, en fait. Donc, je rachèterai par, peut-être, précaution ou... Ah, non, pas précaution. Par, bon, sinon, je dois faire un truc vite fait, en fait. Voilà. On va dire ça comme ça. Je cherche mes mots. Bon, bah, des tucas, comme tout le monde connaît les tucas. Ça, c'est très bon. Un petit biscuit apéro. Apéro, apéro, voilà, très bon aussi, hein.
Les biscuits Milka, des petits gâteaux cakes au chocolat, très bons aussi. C'est bon. C'est Milka, donc les Milka, ils sont très bons. Pour les toutous, bah, des Tastic de chez Fido. Alors ça, c'est très bon aussi. Après les marques, je ne sais pas. Hein. Mais moi, mes chiens, n'importe quelle marque, ils les mangent. Donc c'est que c'est bien. Des bâtonnets de fromage fondant. C'est trop bon aussi, ça. Moi, des fois, j'en mange avec mon petit déjeuner. C'est trop, trop bon. Et ça, je rachèterai sans hésitation aussi. Trop bon. Des knackis au poulet. Alors, ça, c'est trop bon aussi. Ils sont trop bons. De la marque Herta. Franchement, je rachète assez souvent. Ensuite, encore un déodorant de la marque Sienne de chez Lidl. 0% d'aluminium. Il est très bien aussi celui-là. Du Skyr. Alors ça, c'est les yaourts à Julie. Hein. Alors elle adore ça. Elle s'en prend une tonne quand on va au magasin. De la marque Danone. Donc elle déjeune ça le matin. Je vais éteindre le micro parce qu'il me saoule. Alors, je disais les yaourts Skyr. Donc c'est les yaourts à Julie. C'est ses préférés et elle déjeune ça le matin. Et oui, je rachèterai. Hein. Comme c'est ses préférés. Hein. Du gel douche Men. Il est très bien. Ça vient de chez Axio. Ils ont aimé. Enfin, ils ont aimé. Quand on va s'endormir ici, ils s'en servaient. Et Eric adore. Il a dit qu'il sentait très bon et sale. Ensuite. Une crème Nivea, une grosse boîte, on l'a terminée aussi avec Julie. Bon, ça, c'est de la marque qui existe depuis une éternité et elle est toujours aussi bien. Donc, à l'occasion, je rachèterai. Du beurre, paysan breton. Alors là, je l'ai mis aujourd'hui hein, parce que c'est le beurre de ce matin. Donc, je l'ai mis ce matin. Alors, que dire sur ce beurre? Bah, c'est le meilleur. Paysan breton, trop bon, trop trop bon et oui je rachète. Des sacs de congélation de chez Action, ceux-là ils sont très très bien. Alors je les prends souvent aussi et ils sont très très bien. Ensuite, encore des petits sticks de mozzarella, des Pickers. Pour ça je ne sais pas d'où ça vient non plus. Ah c'est McCain. Donc ça doit venir de chez Leclerc ou Intermarché. Donc tous ces petits trucs-là. Et oui, je rachète. Hein. C'est trop bon à l'air fryer. Oh là là. Quand vous faites un petit apéro, ou bien même quand vous faites une entrée, hein, c'est très bon. Hein. Alors, des sacs de congélation aussi. Donc, je ne sais pas de où ça vient. Donc, ils étaient très bien aussi. Hein. Voilà, très bien aussi. Des mouchoirs. À la menthe eucalyptus, alors ça c'est mes préférés hein, de la marque Lotus. Voilà, c'est mes préférés. Donc oui, je rachète. Hein. Le pain de mie extra moelleux de chez Lidl. Alors il est très bien. Il dépanne aussi hein, pour faire des croques, déjeuner le matin. Des pâtes, des tortilles Fiorini 3 minutes. Alors, je n'aime pas. Je n'aime pas les pâtes qui cuisent en 3 minutes. Parce que ça va tellement vite et il suffit qu'on oublie pour quelques secondes, ils sont archi cuits. Alors je n'aime pas du tout et je ne rachèterai pas les 3 minutes. Mes biscuits apéro préférés, les Monaco de chez Belin à l'Emmental. Trop trop bon. Et oui, ça je rachète. Hein. Sans hésitation. Des Kinder en tablette. En bâtonnet, non pas en tablette, en bâtonnet. Bon, ça c'est des Kinder que tout le monde connaît. Hein. Pardon. Ça, c'est un délice. Et ça, j'achète. Hein. Les perles de lait, des yaourts de la marque Yoplait à la quoi? À la vanille. J'allais dire à la noix de coco, non pas du tout. C'est à la vanille, donc ils sont très bons aussi ceux-là. Et oui, de temps en temps, j'en achète. Des petites bouteilles d'Oasis.
des canettes, hein. Voilà. À l'orange, moi, c'est mes préférés. Oasis à l'orange, c'est mes préférés. Et oui, j'en achèterai. Des cordons bleus double cheese. Alors, ils étaient très bons, ceux-là. Très, très bons. Moi, j'aime bien quand il y a du fromage partout, là. Très, très bon. J'ai fait à l'air fryer aussi. Et c'était un délice. Donc, oui, je rachèterai. Ouh, il y en a partout sur la table. Mes biscuits apéro préférés aussi. Les croustilles de Belin à l'emmental. Ça, c'est mes préférés aussi. Je les adore. Un petit paquet de nouilles chinoises avec son petit bouillon. C'était au poulet rôti. Donc c'était très bon aussi. Ça dépanne quoi. De l'assouplissant Lénor Divine. Bon, il sentait très bon aussi ça. De toute façon, tous les Lénor, moi je les adore. J'ai aucune préférence, je les aime tous. La bougie Airwick aux fruits rouges également. Mes préférés aussi. Airwick, c'est... Des mini caprices des dieux. Alors ça, c'est mon fromage préféré aussi. J'adore celui-là. C'était des pockets. Il y en avait 5 dedans. Donc je rachète aussi de temps en temps. Une bombe chup-chup à la vanille. Alors très bien aussi. Rien à dire. Ça, par contre, je vais le récupérer. Parce que des fois, j'en achète. Et une fois, il me manquait ça. Donc, des fois, maintenant, quand je regarde... quand j'achète, je regarde. Mais des fois, j'oublie. Donc, je les garde. On ne sait jamais. Voilà. Ensuite. Un démaquillant Alvira. Je pense que ça vient de chez Action, ça. Le biphase make-up. Bon, il était très bien aussi. Franchement, il était bien. Rien à dire. On va remettre un petit peu hein, dans le sac. On continue avec le deuxième sac. Alors, produit à vaisselle W sac de chez Lidl. Très bien aussi, à la framboise. Il sentait bon, il avait bien. Je rachète. À lave-main Nivea, car et cachemire. Bon, il était bien. Il était bien, mais en fait, ça, pas top. Parce que quand on appuyait, on se passait tout le temps la main. Bon, le système, j'ai pas trop aimé. Ça venait de chez Action, donc celui-là, je ne vais pas racheter. Non. Les chipsters de chez Belin, les biscuits apéro, ben ceux-là, ils sont très bien aussi. J'en achète de temps en temps aussi, et c'est très bien. C'est très bon. Des beignets peach au chocolat. Donc ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop le chocolat qui est dedans. Je préfère vraiment la barre de chocolat. Donc bon, je rachèterai pour Julie. Mais moi, et puis Eric encore moins. Du shampoing Elsève pour les couleurs. Soit 2 en 1. Donc la marque Elsève de chez L'Oréal, c'est le meilleur aussi. Moi, je les adore, donc je les achète souvent aussi et je rachèterai. Voilà, comme je vous disais, hein, les crèmes que j'avais achetées chez Action la dernière fois, eh ben, elles sont très bien, franchement. S'ils en refont, je rachèterai. Du thé de la marque Lipton à l'orange. Alors, il est très très bon. Moi, Eric, on adore le soir boire ça. C'est très, très bon. Et oui, je rachèterai. Des mini tartelettes à la fraise de chez Leclerc. Donc, j'adore cela, moi. Et oui, je les rachète. Pardon. De l'huile essentielle à l'orange. Ça vient de chez Action. Bon. Je ne rachèterai pas. Il n'est pas top. Franchement, il faut mettre presque la bouteille pour que ça sent. Donc, non. Des barres de chocolat au lait. Fourrées au lait. Donc, ça, c'est pour Julie. Elle a aimé. Donc, oui, je rachèterai.
Pas de la vache qui rit, hein. Tout le monde connaît la vache qui rit. C'est très bon sur du pain frais aussi, pour le goûter, tout ce qu'on veut. Très très bon, même dans les soupes. Et oui, je rachète. Des biscuits apéritifs, torsadés au goût pizza, c'est mes préférés aussi. Oui, j'en ai beaucoup, hein. Trop trop bon, et ça, j'en rachète très souvent. Mon jus de fruits innocent, mon préféré aussi, pomme, pêche, poire. Alors ça, j'en achète de temps en temps, pas souvent, mais j'alterne un petit peu les jus et celui-là, c'est mes préférés. Du Carola pour laver les sols au savon de Marseille et agrumes. Alors ça, il est top. Franchement, la marque Carola, c'est trop trop bien. Et ça sent très très bon. Et oui, je rachèterai. Le couscous moyen de la marque Ferrero. Alors ça, c'est mon préféré aussi. C'est ma marque préférée. J'en achète souvent, 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 souvent. Et moi, je prends le couscous moyen. Très très bon. Hop, ça tombe par terre, je ramasse. Alors, je vous en avais parlé, hein, les chips au poivre que j'ai trouvé chez Aldi. Trop, trop bon. Oh, trop bon. Enfin, moi, personnellement, j'adore, hein. Donc, de temps en temps, si j'en vois, oui, je rachèterai. De l'emmental râpé de chez Leclerc. Alors, bon, bah, c'est de l'emmental. Franchement, que ça soit chez Intermarché, chez Lidl, je trouve que c'est la même chose. De l'emmental, c'est de l'emmental. Des morceaux de tomates concassées comme ça. Alors, je ne sais pas où je l'ai acheté, je ne sais plus. Il était très bien aussi. Très, très bien. Et si j'en retrouve, pourquoi pas le racheter? Les boissons San Pellegrino, limonata au citron. Pan, 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 comment c'est trop bon aussi ça. Et ça, oui, j'en rachète. Sans hésiter. De l'eau de Cologne. Alors, une fois, je vous ai dit pourquoi je rachète de l'eau de Cologne. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, après ma douche, je passe un coup de eau de Cologne avec du coton sur mon visage. Et regardez comment c'est sale. Alors que je viens de prendre une douche, je viens de me laver le visage, je passe de l'eau de Cologne sur mon visage, le coton est noir. Essayez, vous allez voir. C'est hallucinant. Donc oui, je rachèterai de l'eau de Cologne. Mes pastilles de lave-vaisselle préférées, hein, vous le savez, les Fairy, c'est les meilleures. Et oui, j'en achète tout le temps. Des Nutella Biready, alors ça c'est bon aussi. Hein. C'est pas ouf, mais c'est bon, ça se mange. Et j'en achète de temps en temps. Du lait entier, alors ça c'est pour mes yaourts et ma béchamel, et il est très très bien ce lait. C'est du lait entier quoi. Voilà. Mes biscuits préférés, les Marquisettes de chez Delacre, alors ça sont très bons. Donc oui, j'en achète souvent aussi. Pour les toutous, les dentastiques de chez Pédigré, alors ça, rien à dire, ils adorent. Des amandes effilées, alors ils sont très bien aussi ceux-là. Ils tiennent bien à la cuisson, rien à dire, je rachète. Des paquets de bonbons, des Happy Life de chez Haribo. Alors, dedans vous avez des schtroumpfs, des crocos, des coca, des réglisses, il y avait un peu de tout. Et oui, je rachète. Hein. La même chose, là c'était des polka, donc il y a plein de petites choses aussi dedans. Voilà, vous aviez tout ça. Donc, très très bon aussi. Ah, j'ai mon nez qui gratte. Du dentifrice Signal fraîche, naturelle, intégrale 8. Mais très bien, mais sans plus. Les spaghettis de chez Lidl. Alors, ça, ils sont top. Moi, je les adore. Ils sont très très bons et je rachète tout le temps.
les spaghettis chez Lidl, les fricadelles de volaille chez Lidl, alors ça, pas de goût non plus. Franchement, c'est pas un truc que j'aime bien. Je rachèterai par si on fait un truc vite fait en fait. Voilà. Sinon, non. Ensuite, une crème pour le corps mix intensif peau sèche effet soleil. Alors ça, il est très bien aussi. On avait acheté ça pour l'été. On l'a fini il n'y a pas très longtemps. Donc il y a moi et Julie. Hein. Il est très bien. Et oui, je rachèterai. Voilà pour le deuxième sac. On est parti pour le troisième sac, le dernier. Alors, des feuilles de lasagne de chez Fiorini, chez Intermarché. Ils sont très bien aussi, mais c'est pas les meilleurs. Ils sont bien, mais c'est pas les meilleurs. Donc, je pense pas les racheter ceux-là. Non. Ou en cas de dépannage, mais sinon, non. Encore pour les toutous, les bâtonnets des bâtonnets à mâcher. Voilà, je vais y arriver. À la volaille. Alors, ils adorent. Hein. Voilà, ils adorent. Un saucisson sec, le fumet de chez Lidl. Alors, celui-là, c'est notre préféré. Il est très, 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 très bon. Et ça, j'en rachète tout le temps. Du bain moussant spa sienne chez Lidl. Oui, bon, oh oui. C'est pas un truc ouf, mais ça va. Mon produit préféré, finish, un nettoyant pour le lave-vaisselle. Donc ça, c'est mon préféré, hein. Donc au citron. J'en achète très souvent. Du Danao pêche abricot. Alors ça, c'est très très bon aussi. Hein. Donc j'en achète souvent aussi. Et il sera toujours dans mes préférés aussi. Du sucre en morceaux top budget sucre blanc. Alors, ça, je ne rachèterai plus jamais. Enfin, je dis plus jamais, mais j'espère pas jamais, jamais. Mais si je peux éviter, je ne l'achèterai pas parce que franchement, il ne sucre pas. Rien du tout. Il faut en mettre une tonne. Alors déjà, quand on fait du thé à la menthe, je vous dis pas tout le sucre qu'il faut mettre, parce qu'il ne sucre pas du tout. Hein. Alors celui-là, terminé. Ensuite, j'avais acheté ce produit multi-surface, un cleaner, The Pink de chez Action. Il est top de chez top. Si vous le trouvez, achetez-le parce que il nettoie super bien et il dégraisse. C'est le top. Alors j'avais acheté des petits sels de bain chez Action. Voilà. C'était pour Julie, hein, c'était pas pour moi. Elle l'avait eu à son Noël, donc elle a pris un bain avec ça et elle a dit maman c'est génial. Ensuite, les sticks Ansel, les sticks d'Alsace. Alors ça, c'est nos préférés aussi. Eric adore ça aussi. C'est pour l'apéro. Hein. Pas obligatoire, hein. Vous pouvez manger comme ça aussi. Et ça, j'en achète souvent aussi. C'est très bon. Du fromage spécial pizza. Hein. C'est pas du gruyère, c'est pas du gruyère, mais... je sais pas comment on peut dire ça. Bon, bah, c'est macho. Donc, oui, je rachèterai ça. C'est très bien pour mettre sur les pizzas. Pas de problème. Monte sur la chaise. Ensuite, un autre paquet de bonbons. Family Pick. Alors, ça, ils sont très, très bons. Oh, je me suis régalée, moi, avec les bonbons. Et moi, j'aime bien ça, là. Vous savez, les petites languettes. Trop, trop bon. Et oui, ça, je rachèterai. Bah, le Lénore, encore un. Divine, comme l'autre. Voilà, bah, je ne vais pas vous le répéter. Hein. Le River de chez Aldi, c'est le Diabolo. Très, très bon aussi. Beaucoup de colorants. Mais ça dépanne, c'est très bon.
Alors, ensuite, la mimolette en tranche de chez Aldi. Il est très bon aussi celui-là. Je l'achète souvent. Et ben voilà, on a terminé. C'est terminé pour ces produits finis. Bon, c'est pas ouf, hein. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses. Beaucoup de bêtises, je crois. Mais bon. J'espère que ça va vous plaire quand même, hein. Dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Allez, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Ciao!